Hier, nous avons laissé Hinat et Piro Piro, dite Hina à la mauvaise odeur, seule sur la plage, guettant une voile à l'horizon, pendant que la princesse, Ourite et Monoï, était dans la forêt afin de se parer de fleurs et de fougères odoriférantes pour accueillir dignement les visiteurs de sa vision. Hinat et Piro Piro étaient très ambitieuses et très jalouses de la princesse. Elle se dit que si elle en avait le costume, elle pourrait se faire passer pour une Arii, quelqu'un de haute caste. « Vite, vite, je dois aller dans le bain royal où bouillonne l'eau chargée du mana des aristocrates. » Mais sortant du bain, elle constata avec effroi que son odeur n'avait pas changé. Elle eut beau s'immerger encore et encore dans le gigantesque coquillage plein d'une eau magique et vivifiante, rien n'y fit. Prenant la gourde de sa maîtresse, elle s'enduisit tout le corps avec le monoï préféré de la princesse. Ensuite, elle mit les vêtements royaux en fin tapas et ceignit la ceinture ancestrale de la famille royale de Mangareva. À peine coiffée de la couronne royale, elle entendit le léger glissement de la pirogue fendant l'eau paisible du lagon au moment d'accoster sur la plage. Seul le jeune prince Tuihanipoti resta à bord pour garder l'embarcation Uruehao. Ses trois frères débarquèrent, les bras chargés de cadeaux. Ils se dirigèrent vers Hinat et Piro Piro, merveilleusement habillés, qui leur faisait signe de venir vers elle, qui les installa confortablement sur les nattes tressées déroulées sur le sable, et leur souhaita la bienvenue. Elle leur annonça qu'elle les attendait impatiemment pour choisir son époux parmi eux. Les trois princes furent emplis de respect face à cette femme qui avait prévu leur arrivée et connaissait déjà son destin. Enfin, l'usurpatrice se leva et leur dit « Au nom de tous les miens, je vous remercie pour vos nombreux présents, mais une malédiction s'est abattue sur l'île et nous devons nous hâter de partir. De nombreux esprits malfaisants ont déjà fait disparaître mes parents et une grande partie de la population. Ils seront là pour nous dévorer aussi avant le coucher du soleil. » Les princes, effrayés à l'idée de subir ce triste sort, s'empressèrent de retourner à bord de leur pirogue avec la princesse tant convoitée. Ourite et Monoï, elle, finissait ses couronnes de fougères et ses colliers de fleurs quand elle vit un grand oiseau blanc se poser devant elle. Il lui dit « Hâte-toi, hâte-toi de rejoindre le rivage !» Haletante, elle courut en tenant ses couronnes et ses colliers serrés sur sa poitrine. Elle arriva sur la plage pour voir la pirogue, toute voile dehors, sortir de la passe dans le rougeoiement du soleil couchant. Rejoignant l'endroit où sa servante l'attendait, elle vit que ses vêtements et tous ses bijoux royaux avaient disparu. Oh, elle n'eut pas besoin d'appeler pour comprendre qu'elle avait abusé de sa confiance et pris sa place. Elle bondit sur son fahari, sa planche de surf, et glissa sur l'eau du lagon. Puis, arrivant en vue de la passe, elle chanta les chants de ses ancêtres, ceux qui calment la houle. L'ayant ainsi franchi sans encombre, Ourite et Monoï se mit à pagayer avec vigueur quand la nuit l'environna. La voilure de Uruehao, la pirogue de Tahiti, disparut dans l'obscurité. Le vent tomba, Ourite et Monoï étaient seuls, perdus au milieu de la nuit océane. La suite, c'est demain à la même heure.